Et si on vous disait que l'analyse chimique des roches très anciennes nous fait faire un bond dans la connaissance de l'évolution de la Terre depuis sa formation? C'est le travail des équipes scientifiques, dirigées par le professeur Alexander Sobolev à l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble, par le professeur Stefan Sobolev au Centre de recherche allemand en géosciences, le Geoforschungszentrum situé à Potsdam, et par le professeur John Valley à l'Université du Wisconsin à Madison. Ces roches très anciennes sont de vrais témoins de la dynamique terrestre passée et des phénomènes tectoniques à grande échelle. Et pour analyser très précisément le message géochimique qu'elles contiennent, Alexander a monté à Grenoble une plateforme unique en son genre. Notre Terre a environ 4,5 milliards d'années. Si on sait dater l'épisode d'accroissement du taux d'oxygène dans l'atmosphère et les océans, et si on connaît les origines du champ magnétique qui la protège, on ne sait pas encore quand et comment la tectonique des plaques a commencé. Pourtant, c'est l'une des caractéristiques uniques de notre planète dans tout le système solaire. Pour pouvoir dater et comprendre la mise en place de la tectonique des plaques, on étudie des minéraux qui se trouvent dans des roches anciennes vieilles de 3 à 4 milliards d'années. C'est dans les cratons, au cœur de continents anciens comme le nord du Canada, l'Afrique du Sud ou encore le Groenland, que ces témoins rocheux sont présents. Parmi ces minéraux, on étudie des zircons, trouvés dans le craton australien et âgés de 4,3 milliards d'années. Très résistants à l'altération, ils ont réussi à traverser les âges et les vicissitudes de la Terre. Les scientifiques étudient également l'olivine, qui constitue le minéral le plus abondant du manteau supérieur terrestre. Ces olivines et ces zircons conservent des échantillons de magma sous forme de petites inclusions vitreuses. Ces inclusions vitreuses sont donc de minuscules gouttes de liquide magmatique, solidifiées et qui sont piégées lors de la cristallisation de ces minéraux. Ce sont ces inclusions contenues dans les zircons et l'olivine que l'on va faire parler grâce à l'analyse de traceurs chimiques, marqueurs de la dynamique terrestre. Ces recherches présentent toutefois une double difficulté. D'une part, les échantillons pertinents de zircons et d'olivine sont très rares, car ces roches peuvent être altérées, voire détruites au cours de leur longue histoire, et ainsi perdre une grande partie des informations cruciales à la compréhension des phénomènes tectoniques. D'autre part, les inclusions qu'ils contiennent sont extrêmement petites. D'où la nécessité de disposer d'équipements scientifiques de pointe pour analyser ces éléments tout en les économisant. Ces équipements sont justement réunis dans la plateforme d'analyse de l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble. Unique au monde, cette plateforme se compose de 5 appareils de mesure principaux qui permettent d'étudier de nombreux éléments et leurs isotopes de l'hydrogène à l'uranium avec une surface d'analyse de moins de 10 micromètres. Les nouvelles générations de microsondes électroniques et de microscopes Raman, 2 des 5 appareils de la plateforme, ont la particularité de ne pas détruire les échantillons lors des analyses. Les 3 autres équipements sont destructifs car ils utilisent un système d'ablation laser pour extraire de façon irréversible la matière constituant l'inclusion magmatique à analyser. En utilisant 3 spectromètres différents, il est possible d'analyser simultanément un grand nombre d'éléments chimiques pertinents ainsi que leurs isotopes dans un très petit volume. Les scientifiques sont alors certains que toute l'information chimique provient exactement du même volume de l'inclusion étudiée. Ces données géochimiques acquises dans des volumes microscopiques vont ensuite alimenter des modèles numériques et révéler à une échelle bien plus grande de nombreuses informations sur l'histoire du manteau et de la croûte terrestre. Ce projet scientifique s'appelle MEET, Monitoring Earth Evolution Through Time. C'est grâce au financement considérable de l'ERC, Conseil européen de la recherche, et au soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de l'Institut national des sciences de l'univers du CNRS et de l'Université Grenoble-Alpes que cette plateforme analytique de pointe grenobloise a pu voir le jour. Principalement utilisée pour les recherches en sciences de la Terre, cette plateforme unique est un outil à fort potentiel pour d'autres domaines, comme par exemple le biomédical pour l'analyse des tissus biologiques.